Bonsoir, bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour cette conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences, une question, un chercheur. Ce cycle de conférences est destiné en particulier aux étudiants, de premier cycle, mais pas uniquement, comme ça se voit également aujourd'hui. Ces conférences ont lieu deux fois par an. Il y a une conférence de physique qui a lieu à l'Institut d'astrophysique de Paris et une conférence de mathématiques qui a lieu à l'Institut Henri Poincaré, qui est pas loin. Et ces conférences sont organisées par la Société française de physique, la Société mathématique de France et l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique, ainsi donc que l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Institut Henri Poincaré. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Eleonore Schussmann qui a accepté notre invitation. Eleonore Schussmann est physicienne, professeure à l'Institut de physique du globe de Paris. Elle est spécialiste du bruit sismique sur Terre et sur Mars. Et elle a accepté de donner cette conférence pour nous. C'est une spécialiste internationalement reconnue, responsable de nombreux projets français et internationaux. Donc je lui laisse la parole pour à peu près une heure, suivie de questions et d'échanges avec vous. Merci. Merci de m'avoir invité pour venir donner cette conférence et merci d'avoir bravé le froid pour venir m'écouter ce soir. Je suis sismologue, donc je vais vous parler de sismologie, mais je ne vais pas vous parler des signaux sismiques que vous connaissez habituellement, les séismes. Moi, la recherche que je fais est sur tout ce qu'on enregistre quand ce n'est pas des séismes. Donc c'est quelque chose qu'on appelle le bruit sismique ou on peut dire le signal continu qu'on enregistre. Donc, comme le titre de la conférence s'appelle une question, une chercheuse, ben la question à laquelle sur laquelle je travaille et que je veux résoudre, c'est comprendre ce que contient le signal sismique continu, comprendre comment il est généré, quelles sont les sources. Et je fais ça sur la Terre et sur Mars. Et sur Terre, le but, c'est de faire du monitoring de la Terre en lien avec l'activité climatique. Donc, pendant cette conférence, je vais vous parler d'abord des réseaux sismiques qu'on utilise. Ensuite, je vous montrerai ce que c'est le signal sismique continu, qu'on appelle aussi bruit sismique. Donc, parfois, je dirais signal sismique continu, parfois bruit sismique. Ensuite, je vous montrerai ce que c'est les sources. Puis, je vous présenterai brièvement les nouveaux instruments qu'on a pour analyser le signal sismique. Et je terminerai par des résultats récents sur Mars. Alors, les sismologues travaillent avec des stations sismiques, il y en a beaucoup. Donc vous avez sur cette figure les réseaux permanents français. Donc c'est le réseau là sur le territoire métropolitain, il y a un réseau aux Antilles, il y a un réseau à La Réunion et à Mayotte. Toutes ces stations sont transmises en temps réel à un centre de données qui s'appelle RECIF et elles sont redistribuées vers tous les centres de détection et d'alerte au tsunami. Il y a un autre réseau qui est un réseau global, c'est celui-là. C'est un réseau de 35 stations, vous voyez qu'elles sont distribuées un petit peu partout sur Terre. Et ce réseau est l'un des plus anciens réseaux sismiques français et il est géré par l'Institut physique du globe de Paris et par l'École et Observatoire de sciences de la Terre de Strasbourg. Et je vais parler principalement de ce réseau parce que une grande partie de mon activité est dans la gestion de ce réseau. Alors, les stations géoscopes, voilà une carte sur laquelle... Enfin, voilà des photos de plusieurs stations. Donc, quand vous regardez, donc ça, c'est une station sur l'île d'Amsterdam qui se trouve ici. Là, vous avez une station qui est en Antarctique, là. Ça, c'est une station en Algérie. Et vous voyez que quand on regarde l'endroit où se trouvent les stations, c'est des endroits isolés. Et la seule chose qu'on voit, c'est l'entrée des caves. Et quand on rentre dans la cave, là c'est un exemple de cave au Chili, à l'intérieur, on a souvent un pilier qui est découplé des bords de la cave pour ne pas transmettre le mouvement des bords vers le pilier. Et sur le pilier, on a nos trois sismomètres ici. Donc il y a une composante verticale et il y a deux composantes horizontales. Et ce que vous voyez là, c'est des cloches en mu-métal qui vont isoler les sismomètres des variations extérieures de pression et des variations extérieures de température.
Ensuite, ces sismomètres sont reliés à cette électronique qui va être le système d'enregistrement et le système de transmission en temps réel des données, et aussi une batterie de secours et puis un certain nombre d'autres choses comme des protections contre la foudre, etc. Les sismomètres, donc là vous avez un exemple des sismomètres qui sont la Rolls-Royce des sismomètres. C'est des sismomètres qui ont été construits dans les années 1980 et qui ont entraîné un changement fondamental dans la sismologie, parce que ça permettait d'enregistrer des signaux sur une très grande gamme de fréquences. Malheureusement, ce sont des sismomètres qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui, donc on les garde précieusement, et ils sont progressivement remplacés par cette gamme de capteurs qui, petit à petit, deviennent d'aussi bonne qualité que cela. Et vous avez un sismomètre comme ça, qui ressemble à cela, qui a posé sur un pilier, et de plus en plus, on utilise des sismomètres comme ceci, qui sont des sismomètres fond de puits, parce qu'on s'est rendu compte qu'en installant un sismomètre à quelques dizaines, voire centaines de mètres de profondeur, on diminuait fortement l'influence des perturbations de surface, pour finalement un coût assez raisonnable. Donc, le réseau géoscope que je vous ai montré, c'est les triangles qu'il y a sur cette figure, et on n'est pas les seuls à avoir des stations sur Terre. Donc là, c'est l'ensemble des réseaux permanents internationaux. Donc il y a une fédération des réseaux sismologiques qui s'appelle la FDSN, qui permet d'avoir des stations réparties partout sur Terre pour avoir la meilleure couverture possible de la Terre et sans avoir deux stations de deux pays différents au même endroit. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup d'autres stations, c'est-à-dire des stations de toutes les expériences temporaires que des gens vont pouvoir faire à des endroits divers et variés. Et cette carte-là, je l'ai faite ce matin. Donc ça, c'est toutes les données qui ont été enregistrées hier que vous pouvez récupérer sur votre ordinateur. Donc les données, il y a l'intérêt de la FDSN, de la Fédération des réseaux, c'est que toutes les données sont librement accessibles à tout le monde. Et c'est ce qui a permis de, disons, ce qui est très utile pour faire le type d'études qu'on fait. Enfin, il y a un troisième type de réseau qu'on utilise, c'est les stations en fond de mer. Donc les stations en fond de mer, donc l'ensemble des stations disponibles, c'est toutes les étoiles que vous avez ici. Alors ces stations sont rarement en temps réel. Il y a quelques stations qui sont câblées, donc les données arrivent en temps réel, mais pour la plupart, c'est des données qu'on a après un temps différé. Et là, sur la figure de droite, vous avez un exemple d'une expérience qu'on a fait en collaboration avec des collègues allemands. Et on a installé 57 OBS, donc les OBS, c'est des Ocean Bottom Seismometer, donc des stations en fond de mer, qu'on a installées autour du point chaud de la Réunion et sur la ride sud-ouest indienne. Et là, vous avez un exemple des stations. Ça, c'est les sismomètres français. Donc, le sismomètre, il est dans cette... Je pense que vous voyez là. C'est peut-être plus simple si je regarde comme ça. Non, c'est plus simple comme ça. Donc, là, vous avez le sismomètre qui est là-dedans. Donc, là, vous êtes sur le pont du bateau. Donc, il va larguer ceci à la surface de la mer. Ça va descendre par la gravité. Ensuite, l'ensemble va se poser. Une fois que c'est posé, on envoie une commande acoustique et le sismomètre va se détacher du socle là et se poser sur le sol. Et l'intérêt de cette technique, c'est que si cette partie-là bouge, ça ne va pas faire bouger le sismomètre. Là-dedans, vous avez le système d'enregistrement, vous avez les batteries et vous avez aussi du lest. Parce que, donc on dépose ceci au fond de la mer et puis on revient un an plus tard. Et un an plus tard, on envoie une commande acoustique, ça largue le lest qui est là en bas, et le sismomètre remonte et on le récupère. Alors, à quoi ressemblent les signaux sismiques? Donc là, vous avez le signal enregistré sur 45 jours par la station qui est en France, qu'on appelle SSB, qui est près de Saint-Étienne. Et sur ce signal-là, vous voyez plusieurs choses. D'abord, la première chose que vous voyez, c'est les traits verticaux que vous avez là. Donc ces traits verticaux, c'est ce qui est le plus connu en sismologie, c'est les séismes. Donc là, vous avez dans la boîte verte que vous avez là, vous avez un séisme au Mexique qui était de magnitude 7.6, donc déjà un fort séisme. Ensuite, si on fait un zoom ici, là,
Vous voyez que vous avez un signal avec une très grande oscillation comme ça. L'oscillation, elle a une période de 12 heures. Et ce signal, c'est ce qu'on appelle la marée solide. Donc la marée solide, c'est l'attraction du sol par la Lune. Donc vous connaissez tous la marée, les marées des océans, mais il y a également l'effet de marée sur le sol. Et en fait, le sol à Paris, il monte et il descend et sur 12 heures et l'amplitude du mouvement, c'est 80 cm. En fait, le dernier signal qu'on a là-dedans, c'est ce signal-là qui a une amplitude qui augmente et puis ensuite qui rediminue progressivement. Et c'est le signal qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les tempêtes dans les océans. Enfin, ça provient des tempêtes dans les océans. Alors, pour étudier les signaux sismiques, on les regarde soit dans le temps, comme ça, et vous voyez que le signal, il n'est pas très facile à étudier comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des spectres. Et donc là, vous avez un exemple du spectre. Oui, donc en fait, quand on regarde le signal comme ceci, on a du mal à l'utiliser. Par contre, si on fait le spectre de ce signal-là, on obtient quelque chose comme ceci. Et là, il est représenté, donc c'est l'amplitude du signal en décibels en fonction de la période, donc la période des ondes, entre 0,1 seconde et 3000 secondes. Et ce qu'on voit, c'est que ce spectre, au cours du temps, il varie énormément, comme ce que vous voyez là. Et en fait, on a des variations de ce spectre entre 100 Hz et 2000 secondes, qui est à peu près la gamme de fréquences dans lesquelles on étudie les signaux. Hop, ça repart. Donc, une autre manière de regarder le signal sismique continu, c'est regarder l'évolution du spectre au cours du temps, c'est-à-dire on regarde ce qu'on appelle les spectrogrammes. Donc vous avez là les mêmes périodes que dans notre spectre ici, et ici vous avez un an de données, et vous retrouvez, et cette fois-ci l'amplitude du signal est représentée en couleur, chaque ligne verticale correspond à un jour, et vous retrouvez l'amplitude maximum, là où on a le pic ici, et une amplitude minimum dans cet endroit-là. Vous voyez aussi que vous avez une amplitude maximum au début et à la fin de l'année, une amplitude beaucoup plus faible pendant le reste de l'année. Alors, si on regarde ce spectre dans différentes bandes de fréquences, c'est qu'on commence par les plus courtes périodes, donc le signal qui est en dessous de une seconde de période. Vous avez ici le spectrogramme dans une station en France, le même que précédemment, et ici vous avez le spectrogramme dans une station en Algérie, et la bande qui nous intéresse, c'est la bande qui est ici, donc les courtes périodes. Et j'ai mis en plus... j'ai perdu mon pointeur. Hop, voilà. Et j'ai marqué comme ça de manière plus forte les minimums qu'on observe dans ce spectre. Et on voit qu'on a un minimum de bruit le dimanche. Et si vous allez en Algérie, vous avez un minimum de bruit le vendredi. Donc clairement, dans cette bande de fréquence, ce qu'on enregistre, c'est essentiellement le bruit anthropique. Alors c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais on l'a repéré de manière beaucoup plus marquée récemment pendant le confinement. Parce que là, vous avez une coupe à ce niveau-là. Vous retrouvez tous les dimanches. Vous avez là les vacances de Noël. Et là, vous avez la période du confinement. Et pendant le confinement, le niveau de bruit sismique, mais à l'échelle du monde entier, on va dire, a diminué fortement. Et pour nous, c'est une période intéressante parce que... on étudie cette période et il est possible qu'on découvre des signaux qu'on n'arrivait pas à voir autrement parce qu'ils étaient cachés par le bruit anthropique. Ensuite, le signal sismique qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le signal entre 1 et 300 secondes de période. Donc c'est cette boîte rouge ici. Et la raison pour laquelle c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est parce que c'est le signal qui est généré dans les océans. Donc si on regarde l'amplitude de ce signal... Quand on est dans les amplitudes les plus grandes ici, on a moins 100 décibels. Moins 100 décibels, ça revient à 10 puissance moins 5 mètres par seconde carré, donc 10 puissance moins 5 en accélération. Et quand on est en bas, on est à 10 puissance moins 9, qui commence à être une amplitude qui est extrêmement faible. Et dans cette boîte-là, on va séparer, de par la forme, les microséismes. Et la forme vient de leur source, les microséismes secondaires, ce qui est entre 1 et 10 secondes de période. Ensuite, les microséismes primaires,
Oui, c'est ça, qui est entre les microséismes primaires, c'est entre 10 et 20 secondes de période, et ce qu'on appelle le hum ou le bourdonnement de la Terre, qui est entre 20 et 300 secondes de période. Si on commence par les microséismes primaires, c'est ce qui est le plus simple. C'est quelque chose pour lequel, très tôt, les chercheurs se sont rendus compte que c'était lié à l'activité dans les océans. La manière dont ça fonctionne est le suivant. Vous avez des vagues, et la période des vagues, c'est à peu près de 10 à 20 secondes. C'est-à-dire, si vous allez sur la plage, vous regardez tous les combien il y a une vague qui arrive, c'est à peu près toutes les 10 secondes, et quand ce n'est pas des grosses tempêtes. Et en fait, l'énergie des vagues se convertit à la côte en énergie sismique et directement, ça va générer des ondes de, principalement des ondes de relais, mais aussi d'ondes ondes sismiques qui vont ensuite se propager dans la Terre jusqu'à tous les points sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. En plus, la période des vagues, c'est la même que la période de ces microséismes primaires qu'on voit dans les spectres. Donc le mécanisme était deviné depuis assez longtemps. Là, on a un exemple où on a 3 jours de données, donc c'est une ligne toutes les 2 heures, et on voit que le premier jour, il n'y a pas de tempête. Ensuite, il y a une forte tempête le long des côtes ici, donc on a une augmentation très forte de l'amplitude du signal, et ensuite, la tempête se termine, et puis on a de nouveau une diminution du signal. Donc, il n'y a aucun doute du lien entre les tempêtes et puis le bruit sismique, donc un sismomètre, c'est un bon moyen de savoir le temps qu'il va faire. Si on regarde les spectres, il y a un autre moyen de le voir, c'est en regardant la forme des spectres. Si vous regardez cette forme-là et que vous comparez avec un spectre de vagues, vous voyez que cette forme-là ressemble beaucoup à celle-là. Et dans les spectres de vagues, vous avez, alors c'est en fonction de la longueur d'onde, mais on pourrait se ramener en période, vous avez à courte période la mer devant, puis ensuite, à plus grande période, vous avez la houle. Puis ensuite, vous avez une diminution très forte de l'amplitude. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de vague au-delà d'une certaine taille. Donc, c'est la taille limite de ce qu'on pourra enregistrer. Il y a encore plus longue période, on a ce qu'on appelle les vagues infragravitaires. Donc, mer de vent et houle, vous avez déjà tous vu ça au bord de la mer, hein, ou en pleine mer. Par contre, les vagues infragravitaires sont des vagues qu'on voit beaucoup moins facilement. Elles sont de beaucoup plus longue période, mais par contre, vous les connaissez tous parce que c'est les mêmes vagues que les vagues de tsunami. Donc, on connaît tous l'effet de ces vagues dans un cas particulier. Mais ces vagues-là sont générées en même temps que les tempêtes et vont se propager dans les océans. Et c'est ces vagues infragravitaires qui vont créer le signal de plus petite amplitude qu'on a ici. Donc, la mer de vent et la houle, ça crée les microséismes primaires, donc ce pic. Ça crée aussi les microséismes secondaires ici. Et les vagues infragravitaires, ça crée le bruit plus longue période. Par contre, on a un problème pour les microséismes secondaires. La période des vagues, on a vu que c'est environ 12 secondes. Et quand on regarde la période des microséismes secondaires, leur période, c'est 6 secondes. Donc, on a un facteur 2 entre les deux. Et pendant très longtemps, des chercheurs ont cherché pourquoi on n'avait pas la même période entre les microséismes secondaires et puis les vagues. Alors, ça fait quand même longtemps que c'est connu, mais ça a été trouvé par deux personnes. Une personne qui s'appelle Long Higgins, c'est deux océanographes, et une autre personne qui s'appelle Klaus Hanselmann. Hanselmann, vous en avez entendu parler l'an passé, parce que c'est lui qui a reçu le prix Nobel de physique. Alors, il ne l'a pas reçu pour ses travaux qui relient la sismologie aux vagues, mais par contre, les travaux qu'il a faits pour comprendre les microséismes sont, pour les sismologues, vraiment fondamentaux. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas détailler toutes les équations parce que les articles sont vraiment longs, mais par contre, on peut l'expliquer de manière assez simple, enfin, disons, assez rapide. Donc, si on regarde ce qui se passe dans un océan, proche de la surface, vous avez des vagues. Et vous savez tous que quand vous plongez, assez rapidement, on n'a plus de vagues, donc le mouvement est nul. Et en dessous de l'endroit où il y a les vagues, ce qui va dominer, c'est des ondes acoustiques ou des ondes P, comme on appelle ça des ondes P en sismologie. Donc l'idée tout à fait astucieuse qu'a eu Long et Higgins et ensuite qui a été reprise de manière plus
complète Paracelsman, c'est de considérer, et je vous rassure, c'est le seul, la seule image dans laquelle j'aurai des équations, donc c'est de considérer la surface de l'océan, la position de la surface de l'océan, et de développer ça à l'ordre 2. Donc la position de la surface de l'océan, il y a un premier terme qui est grand, puis un deuxième terme qui est un peu plus petit, et un troisième terme qui est encore plus petit. Et il a pris, et on prend la vitesse d'une particule de fluide à l'intérieur de l'océan, et là encore, on le développe, on a un grand terme, un terme un peu plus petit, un terme encore plus petit, et on regarde ce que ça donne dans les équations. Donc, il fait une dernière hypothèse, au début, il considère que le fluide est incompressible, et il prend l'équation de l'air qui traduit le mouvement des fluides, le mouvement d'une particule de fluide. Donc, si on développe ça à l'ordre 0, on obtient juste qu'on a la pression hydrostatique. Donc ça veut dire que la pression diminue, la pression augmente avec la profondeur. Bon, ça ne nous permet pas de calculer les microséismes secondaires. Ensuite, si on le développe à l'ordre 1, ça c'est aussi quelque chose de très connu, on obtient la relation de dispersion des vagues qui vous dit que les vagues ont une vitesse qui va augmenter avec leur période. Et l'autre chose importante qu'on a à l'ordre 1, c'est que l'amplitude des vagues va diminuer en fonction de la profondeur. Et donc, quand on est en dessous d'une certaine profondeur, il n'y a pas de mouvement. Donc pendant longtemps, on avait cherché avec l'ordre 0, l'ordre 1, enfin, pas moi, hein, je n'étais pas née à ce moment-là, mais les chercheurs avaient cherché à l'ordre 0, à l'ordre 1, pour voir si on pouvait expliquer les microséismes secondaires. Et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de mouvement en dessous d'une certaine profondeur. Et ce que ces deux auteurs ont eu comme bonne idée, c'est de développer à l'ordre 2. Et la surprise, dans un cas tout à fait particulier, ce cas particulier, c'est quand on a deux vagues qui viennent de deux directions opposées et qu'elles ont la même fréquence, et bien l'interaction de ces deux vagues, ça va faire un effet du deuxième ordre et ça va faire une fluctuation de pression proche de la surface de l'océan. Et cette fluctuation de pression proche de la surface de l'océan, elle a deux propriétés remarquables. La première, c'est qu'elle ne s'atténue pas avec la profondeur, et donc ça peut faire nos sources. Et l'autre chose, c'est qu'elle a le double de la fréquence des vagues. Et donc, ça règle le problème de savoir pourquoi les microséismes secondaires ont le double de la fréquence des vagues. Alors, une fois que ça a été trouvé, ça c'était quand même dans les années 50-60, c'était intéressant, mais on n'en a pas fait grand-chose, parce que du coup, les gens étaient contents, on pensait avoir le bon mécanisme pour... on avait le bon mécanisme, mais à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur suffisamment puissant, on n'avait pas de modèle de vague, on n'avait pas grand-chose, donc une fois qu'on savait que c'était ça, ben, on ne pouvait pas en faire grand-chose. Et donc, les séismologues se sont plutôt intéressés de nouveau au séisme et ont un peu laissé tomber le bruit sismique. Mais il y a eu un regain d'intérêt il y a à peu près une quinzaine d'années, parce que, de manière complètement indépendante, il y a une méthode qui a été développée par des collègues de Grenoble, qui a été repris dans le monde entier, qui a montré que si on prend le signal sismique continu, donc le bruit sismique, donc ce signal généré par les vagues, et qu'on regarde ce signal enregistré par deux stations, et qu'on fait la corrélation de ces signaux, et qu'on fait ça en sommant ces corrélations sur des grandes durées, on arrive à voir apparaître une onde. C'est l'onde qu'on voit ici, à différentes fréquences. Et ça revient à se retrouver dans le cas où on aurait une source à une station et un récepteur à l'autre. Et donc, on a juste une information sur la propagation des ondes entre ces deux stations. Donc, cette méthode, elle a révolutionné la façon dont on étudie la structure de la Terre, parce que tout d'un coup, on n'avait plus besoin de séisme. Il suffisait d'avoir du bruit continu et on pouvait déterminer la structure entre deux points où qu'ils soient sur Terre. Par contre, pour faire ça, on a besoin de connaître en détail, ou disons, pour améliorer ces mesures, il faut connaître en détail la façon dont, comment sont les sources, où est-ce qu'elles se trouvent, et puis comment elles évoluent au cours du temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu de nouveau beaucoup d'études sur les sources du bruit sismique. Donc pour les microséismes secondaires, ces sources, c'est dû à des vagues qui viennent de directions opposées et qui ont la même fréquence. Donc maintenant, il faut savoir quand est-ce que ça peut arriver. Alors le premier cas, c'est quand vous êtes à l'intérieur d'une tempête. La tempête, elle tourne, elle crée des vagues qui partent dans toutes les directions, puis après la tempête, elle se déplace, et en se déplaçant, elle va interagir avec les vagues qui sont créées à un instant donné à cet endroit-là, vont interagir avec des vagues qui sont créées un peu plus loin, à un instant plus loin. Et donc ça, c'est la première
le premier endroit où on peut avoir des microcélules secondaires. Le deuxième cas, c'est quand vous avez des vagues qui arrivent à la côte, elles sont réfléchies, et là encore, elles vont avoir la même fréquence, et donc l'interaction entre les vagues incidentes et réfléchies va de nouveau créer nos sources. Et le troisième cas, qui est plus compliqué, c'est quand on a plusieurs tempêtes. Donc là, c'est un cas où on a deux tempêtes qui sont assez proches. Vous allez avoir les vagues d'une première tempête qui vont se propager dans toutes les directions. Si elles rencontrent des vagues d'une deuxième tempête qui ont la même période, eh ben, là encore, ça va faire des sources de nos microséismes secondaires. Alors, en travaillant avec des océanographes, on a pu avoir accès à des modèles de ces sources. Donc là, vous avez un exemple des sources. Donc là, les sources sont les points qui sont colorés là. Et l'amplitude de ces sources est donnée par l'intensité de la couleur. Et en couleur là, vous avez la fréquence des sources. On a vu que les vagues sont dispersives, donc les sources des microséismes vont être dispersives aussi. Et j'arrête deux secondes mon diaporama pour vous montrer ce que ça donne. Et donc là, vous avez les sources, la variation de ces sources au cours du temps. Donc vous voyez que donc là, vous avez la date qui défile, on est en mars. Donc en mars, on a des sources dans l'hémisphère nord, principalement dans l'hémisphère nord, vous avez des sources dans l'hémisphère sud, et vous voyez que là, il y a une image toutes les trois heures, vous voyez que ces sources, elles bougent tout le temps. Si on va un peu plus loin, hop. Là, c'est en été dans l'hémisphère nord, donc il y a beaucoup moins de sources. Les sources, elles sont surtout dans l'hémisphère sud. Puis si on va plus loin, hop, je suis un peu trop loin. Si on voit là, on a de nouveau des sources plutôt dans l'hémisphère nord. Donc vous voyez que vous avez des sources en permanence partout dans les océans, qu'elles changent en localisation, qu'elles changent en intensité et qu'elles changent en contenu fréquentiel. Mais qu'on a des modèles pour ce genre de choses. Et chaque fois que vous avez un petit nom là, c'est le nom d'un cyclone ou d'un typhon. Donc, si je reviens à ma présentation, hop. Donc à partir de ces sources, on peut coupler ces modèles de sources avec, et j'ai perdu mon stylet, on peut coupler ces sources avec des codes de propagation d'ondes à l'intérieur de la Terre. Donc là, vous avez par exemple cette source-là qui se trouve ici. À partir de cette source, vous allez avoir des ondes qui se propagent dans l'océan, des ondes de volume qui vont se propager à l'intérieur de la Terre, et puis des ondes de surface qui vont se propager à la surface de la Terre, et puis dans l'océan et dans la croûte. Et puis après, ces ondes vont se propager partout sur Terre. Donc, en couplant ces modèles de sources avec la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre, on est capable de modéliser le bruit sismique. Et là, vous avez un exemple d'un spectrogramme. En haut, vous avez un spectrogramme réel. Et en bas, vous avez la manière dont on l'a modélisé. Et on voit qu'on a un assez bon accord entre les deux. Donc, partout où vous avez des pics là, c'est des grosses tempêtes. Alors, comme c'est une station qui se trouve en France, ces tempêtes, elles sont principalement dans l'Atlantique Nord. Vous voyez que vous avez des grosses tempêtes au début et à la fin de l'année. Vous avez un bruit sismique qui est beaucoup plus faible en été parce qu'il y a moins de tempêtes dans l'océan Atlantique. Et ce que vous voyez quand il n'y a pas des gros pics de tempêtes, là, c'est plutôt des sources qui sont générées par les vagues qui sont réfléchies à la côte. Donc, on a ainsi pu observer et puis montrer que quand on a une station dans l'hémisphère nord comme celle-là, on a un bruit d'amplitude importante au début et à la fin de l'année. Et puis, au milieu de l'année, quand c'est l'été, on a un bruit beaucoup plus faible. Quand on est proche de l'équateur, on a un bruit qui est à peu près constant tout au long de l'année. Et quand on est dans l'hémisphère sud, on a le contraire, c'est-à-dire c'est en juillet-août, toujours l'été local, qu'on a le bruit le plus fort. On peut aussi regarder les variations au cours du temps de ce bruit sismique, et on voit que ces variations qu'on observe sont très reproductibles d'une année à l'autre. Et après, si on regarde de manière plus fine, on peut obtenir des informations sur, euh,
sur la variation du nombre de tempêtes, sur la variation de l'état des océans au cours du temps. Par contre, si on regarde ça, il y a une station qui est particulière, c'est celle en Antarctique. Là. Vous voyez, l'Antarctique, c'est dans l'hémisphère sud, et pourtant, c'est au début de l'année qu'on a l'amplitude la plus forte. Au début, quand on a vu ça, on pensait que la station ne marchait pas, mais en fait, elle marche très bien. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a plus de bruit quand c'est l'été et moins de bruit quand c'est l'hiver. Et la raison, c'est que la station se trouve ici, donc là, vous avez la côte de l'Antarctique, et quand c'est l'hiver, vous avez de la banquise qui est autour de la station, c'est le trait bleu là. Et donc, quand il y a de la banquise, il ne peut pas y avoir de vagues qui se rapprochent de la station, et donc on ne peut pas avoir d'interaction des vagues. Par contre, en été, la banquise fond, et le contour de la banquise, c'est maintenant les traits rouges qu'il y a ici. Et à ce moment-là, il y a des vagues qui sont beaucoup plus proches de la station, et l'interaction de vagues fait qu'on a un signal beaucoup plus fort. Ce signal est extrêmement précis, depuis il a été beaucoup étudié et beaucoup utilisé, et en fait, quand vous avez des petits minimums de l'amplitude du bruit là, c'est souvent lié au fait que la banquise est plus ou moins fondue et laisse passer ou pas les vagues à ce moment-là. Une autre chose qu'on regarde, c'est des cyclones particuliers. Donc là, vous avez un exemple d'un cyclone. Vous avez le signal du cyclone. Alors, c'est un cyclone qui a eu lieu au Japon. Donc, sur cette carte-là, le Japon est ici. Donc là, vous avez le signal enregistré pendant ce cyclone par une station qui se trouve au Japon. Donc, sur ce signal-là, on a un peu du mal à en extraire quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un réseau de stations. Donc là, vous avez un réseau de stations qui est en Californie. Donc, la Californie est là. Et on va prendre le signal enregistré par chacune de ces stations, et on va faire un traitement des données qui s'appelle du beamforming, qui consiste à prendre le signal enregistré par chacune de ces stations, à le décaler en temps et à le sommer. Et lorsque vous l'avez sommé avec le bon décalage, c'est ce qu'on représente sur ces figures-là, et bien ça va se sommer de manière constructive. Donc à cet endroit-là, le signal s'est sommé de manière constructive, et sur cette figure-là, on a, disons, il est centré sur le réseau qui est ici. Et ça nous donne l'azimut des sources, donc vers là. Donc le réseau étant là, ça nous donne un azimut bon, qui marche bien, même si on ne voit pas forcément sur ma figure. Et la lenteur, donc l'inverse de la vitesse qu'on arrive à mesurer, va nous permettre de rétropropager le point que vous avez ici jusqu'à la localisation de la source. C'est ce qu'on a fait là. Ce point-là, si on le rétropropage, on voit qu'on obtient un signal qui vient de cet endroit-là. Et donc ça vient bien de l'endroit où on a le cyclone. Parce que la trace du cyclone, c'est ceci, et le cyclone est entre les deux petits points qui sont noirs ici. Donc on peut faire ça. Donc ça, c'est le premier jour du cyclone. Vous avez le maximum observé. Ça, c'est la manière dont on le modélise. Il est au même endroit. Et ça, c'est la manière dont on le rétropropage. Ensuite, le cyclone se déplace. On voit que ça s'est déplacé dans nos données et également dans nos modélisations. Il se déplace encore. Il se déplace encore, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre de manière de plus en plus précise la source du signal sismique qui est générée par les cyclones. Bon, ça, je vous ai montré un cas simple. Parfois, c'est plus compliqué. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on a enregistré en 2017 dans l'océan Atlantique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des cyclones qui avaient fait pas mal de dégâts en Floride. Et donc, en fait, ils n'ont pas eu de chance, il y a eu une séquence de cyclones qui sont arrivés les uns après les autres. Là, vous avez une station en Guadeloupe. Et voilà l'enregistrement de cette station en Guadeloupe. Donc, on voit, et là, vous avez le spectrogramme du signal qu'on a là. On s'intéresse, comme avant, aux microcellules secondaires, donc à cette bande de fréquence de signal. On voit le premier cyclone, on le voit bien. Mais après, quand il commence à y en avoir plusieurs en même temps, on ne sait plus très bien lequel est quoi. Et celui qui passe le plus près de la station a bien sûr le signal d'amplitude maximum. Donc, pour regarder ce signal, on a développé d'autres méthodes qui permettent de séparer les sources. Et donc, là, vous avez un autre exemple. Là, vous avez un exemple. C'est le modèle qui correspond à des observations qu'on a. Donc, vous avez deux cyclones. C'est ce point-là et ce point-là. Donc, ces cyclones, ils vont interagir. Donc, ils vont interagir pour uniquement les vagues qui ont la même fréquence. C'est ce qu'on a
Alors sur cette carte-là, comme précédemment, en couleur, c'est la fréquence des vagues. Donc là, ça va être des fréquences qui vont être sur mon image jaune. Ensuite, autour de ce cyclone-là, on va avoir des fréquences qui sont plutôt vertes. Et enfin, ce cyclone, il va y avoir des vagues qui vont partir jusqu'à la côte du Japon, être réfléchies, et ça va donner plutôt des fréquences qui sont rouges. Donc si on fait juste le beamforming ou le stack de nos données, on va obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à retrouver la complexité de l'interaction des deux cyclones. Par contre, si on utilise des méthodes de séparation de sources un petit peu plus sophistiquées, on commence maintenant à arriver à séparer les sources à différentes fréquences et donc à retrouver une image de plus en plus fine de l'interaction des cyclones. On regarde aussi ces signaux des cyclones au fond de la mer. Donc là, vous avez une carte avec les triangles. Ça représente les stations du réseau ROM-ROM que je vous ai présenté précédemment. Et là, vous avez un cyclone qui est passé dans notre réseau. Et sur la figure de droite, normalement, ça doit s'animer, mais... Donc vous voyez le cyclone ici qui se déplace et vous allez voir que l'amplitude du signal enregistré dans les stations au fond de mer va progressivement augmenter. Donc là le cyclone est là, il se rapproche petit à petit et vous voyez qu'au fur et à mesure les stations commencent à enregistrer des ondes qui sont sensibles au cyclone qui est passé. Mais vous avez peut-être vu aussi que c'est pas toujours complètement simple, parce que toutes les stations ne l'enregistrent pas. Donc, il y a encore un gros travail à faire pour comprendre ou pour arriver à modéliser de manière fine ce qu'enregistrent les stations en fond de mer au passage d'un cyclone, qui dépend notamment de l'épaisseur d'eau, d'effets d'interférences constructives, destructives, qui vont faire qu'on va voir plus ou moins bien le signal au fond de la mer. Et là, vous avez, pour la station qui se trouve ici, qui était juste sur le passage du cyclone, vous avez... le spectrogramme du cyclone que vous avez enregistré en fond de mer. Et on a le signal dominant, bien évidemment, quand le cyclone est juste au-dessus de notre station. Donc voilà à peu près où on en est sur l'analyse. Enfin, c'est une partie des choses qu'on sait faire maintenant sur l'analyse des tempêtes au fond de la mer. Donc différentes compagnies sont en train de développer des nouveaux instruments pour affiner la manière dont on arrive à utiliser le signal continu et d'autres signaux également. Et donc, là, ces instruments sont beaucoup basés sur les fibres optiques. Donc, le principe de ces instruments, c'est que vous avez une fibre optique que vous déployez, vous envoyez un laser dans la fibre optique, et la fibre optique, c'est du verre. Et sur ce verre, ou de la silice, et sur ce verre, il y a plein d'impuretés. Chaque fois que le laser arrive sur une impureté, il y a la lumière qui est réfléchie. Et si on regarde, et comme la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, on sait exactement à quel endroit de la fibre le signal a été réfléchi. Maintenant, si votre fibre qui est posée sur le sol voit une onde sismique qui passe, quand l'onde sismique passe, la fibre elle va se déformer. Et donc, en s'étirant, on va changer le signal qui est enregistré. On va changer la déformation du sol qu'on arrive à mesurer avec cette fibre. Et ça, c'est des techniques qui sont de plus en plus utilisées pour compléter les réseaux de stations sismologiques. Parce que l'intérêt d'une fibre, c'est qu'on n'a pas un capteur sismologique, mais on en a des milliers le long de la fibre. Par contre, il ne faut pas oublier que ces capteurs-là sont de qualité bien moindre que les signaux sismiques, que les stations sismologiques classiques. Et nous, on travaille particulièrement avec une entreprise qui s'appelle Phébus, qui est une entreprise française qui fabrique ce type de capteurs. Là, vous avez un exemple d'une expérience qui a été faite par des collègues de Toulon. Ils ont utilisé une fibre optique existante, qui est le câble que vous avez ici.
Ils ont enregistré quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est un spectrogramme comme ceci. Et donc, en fait, ce n'est pas un spectrogramme, c'est un spectre comme ceci, où cette fois-ci, ce n'est plus le temps qui est dans cet axe-là, mais c'est la distance le long de la fibre. Donc là, vous avez la profondeur d'eau, et là, vous avez le signal que vous enregistrez en fonction de la fréquence le long de la fibre. Et sur cette figure-là, on voit, proche de la côte, on voit les vagues. Vous vous souvenez qu'après, quand la profondeur d'eau augmente, les vagues disparaissent, donc après il n'y a plus de vagues. Et là, on voit les micro-séismes, les micro-séismes secondaires qui sont justement générés par ces vagues. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant d'avoir des enregistrements sur lesquels on a à la fois les vagues et les micro-séismes secondaires parce qu'on peut, dans ce cas-là, exactement quantifier l'amplitude des vagues par rapport à l'amplitude des micro-séismes secondaires. Et l'intérêt des fibres, c'est qu'il y en a partout. Donc ça, c'est toutes les fibres noires que vous avez. C'est une carte de toutes les fibres noires auxquelles on peut avoir accès. Donc il y a bien sûr beaucoup de fibres optiques dans l'océan Atlantique, mais il y en a un peu partout. Et chaque fois qu'il y a des fibres comme ça, il y a toujours des fibres qui sont laissées libres sur lesquelles on peut travailler. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'instruments qui permettent d'envoyer un signal laser qui fait l'aller-retour dans la taille de l'océan. Mais les industriels sont en train de développer des instruments un petit peu différents qui prochainement nous permettront d'avoir des mesures avec des milliers de capteurs dans à peu près tous les océans. Un autre type d'instrument qui est développé, donc ça c'est développé par des collègues à l'ESEO et à l'IPG, c'est des capteurs optiques, donc c'est des sismomètres optiques dans lesquels, avec un laser, on va mesurer le mouvement d'une masse. Et l'intérêt de ce type d'instrument, c'est qu'ils peuvent être installés au fond des océans, sur les volcans, dans des lieux assez lointains, et ils peuvent être installés au bout d'une fibre optique. Parce que pour l'instant, le problème des capteurs en fond de mer, c'est que, vous avez vu, il faut un gros bateau pour les installer, les stations sont très lourdes, très grandes, et on ne peut pas en installer partout. Alors qu'avec ce type d'instrument, c'est beaucoup plus portable, et dans le futur, on aura vraisemblablement de plus en plus d'instruments de ce type-là dans les océans. Alors, j'ai à peu près fini ce que je voulais vous raconter sur Terre, et puis je vais terminer mon exposé en vous parlant de Mars. Donc la raison pour laquelle je vous parle de Mars, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir un sismomètre qui a été envoyé sur Mars dans le cadre d'une mission dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la mission InSight. Et le sismomètre a été construit par l'équipe d'un collègue, Philippe Lognonnet, à l'IPGP. Et pour avoir assisté à ça depuis presque le début, c'est assez remarquable que ça ait finalement fonctionner, d'avoir un sismomètre sur Mars. Il faut quand même savoir que quand on envoie une station sur Mars, il y a généralement une station sur deux qui se crache. Donc les chances de succès restent toujours, disons, limitées. Mais là, ça a marché. Donc juste pour vous rappeler, la différence entre Mars et la Terre, donc d'abord son rayon, c'est à peu près la moitié du rayon de la Terre. Il fait beaucoup plus froid que sur Terre, il fait entre moins 50 et moins 100. Il y a de la glace, il n'y a pas d'océan. Donc vous voyez tout de suite où je vais en venir. S'il n'y a pas d'océan, ça veut dire qu'il n'y aura pas de micro-séisme comme ce qu'on voit sur Terre. Et il y a une très faible atmosphère, mais il y a quand même une atmosphère. Et l'atmosphère, c'est à peu près un dixième de l'atmosphère terrestre. Voilà quelques photos du sismomètre martien. Donc là, vous avez le sismomètre martien quand il était encore à l'IPG, en cours de fabrication, donc le sismomètre est sous cette cloche ici, ici c'est des petits radiateurs, etc. Là vous avez, ça c'est au laboratoire du JPL de la NASA, où vous avez le lander qui est ici, le bras qui est là, et le sismomètre qui est ici, donc là il s'entraînait à utiliser le bras pour poser le sismomètre, parce que quand la station s'est posée, au départ c'était comme ceci, donc au départ, les panneaux solaires n'étaient pas ouverts, puis les panneaux solaires se sont ouverts, mais au départ, le sismomètre était posé ici, et là, vous avez la cloche qu'on met sur le sismomètre. Ensuite, ce bras-là a pris le sismomètre, l'a posé sur le sol, puis a pris la cloche,
l'a posé par-dessus le sismomètre et ça a donné quelque chose comme ceci. Donc là, vous avez le sismomètre, les trois composantes, et là, vous avez la couverture thermique. Et qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Ah oui, et ça, c'est une image réelle qui a été prise par le bras du sismomètre sur Mars en plusieurs étapes, puis qui a été recollée. Le sismomètre InSight a été posé ici, dans une région qui s'appelle Elysium Platinia. Cet endroit a été choisi parce que c'était un endroit à peu près plat, avec un sol à peu près mobile, qui est exactement ce qu'on ne veut pas pour mettre un sismomètre. Mais on avait le choix entre avoir un sismomètre qui risquait de se casser parce que le sol était trop dur, et puis un sismomètre qui était dans des conditions un peu moins favorables, mais qui survivrait à l'atterrissage. Donc il a été installé ici, et depuis novembre 2018, on enregistre des données. Donc tous les matins, enfin plus maintenant, mais pendant longtemps, tous les matins, j'avais les données sur mon ordinateur. Il faut savoir qu'il faut à peu près 10 minutes pour que les données arrivent de Mars sur la Terre. Après, il faut une demi-journée pour que les données soient pré-traitées dans un centre, et puis ensuite, elles arrivent à peu près le lendemain sur nos ordinateurs. Donc là, vous avez un exemple d'enregistrement sur Mars. Donc vous avez 3 jours de données. Alors sur Mars, une journée, ça dure 24 heures 40 minutes. Donc on ne parle pas de journée, on parle de sol. Donc là, vous avez 3 sols. Et en bas, vous avez, pour mémoire, le signal qu'on enregistre pendant 3 jours sur la Terre. Vous voyez que ça ne ressemble pas tellement. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on a une très forte amplitude et puis des amplitudes très faibles. Si on filtre un petit peu et qu'on zoome, là, vous avez le même signal. Donc, vous avez les trois composantes du signal. Ça, c'est maintenant une journée. Donc, les trois composantes, le mouvement vertical et les deux mouvements horizontaux. La nuit, vous avez une amplitude plutôt faible. Le jour, vous avez une amplitude très forte. Puis, le soir, vous avez de nouveau une amplitude plus faible. Et ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez plein de lignes verticales. Ce n'est pas des séismes, hélas. C'est des glitches. Donc, des glitches, c'est des anomalies. Parce que la température, c'est entre moins 50 et moins 100, et donc il y a des craquements thermiques, il y a l'électronique qui ne supporte pas bien ces grandes variations de température. Et donc, c'est presque beaucoup de ces signaux verticaux, c'est des parasites dont on essaye de s'affranchir péniblement. Si on compare nos signaux avec le vent, on voit que la nuit, il n'y a pas de vent du tout sur Mars. Le jour, il y a un vent énorme. Et c'est justement quand on a un signal très fort. Et si on compare avec les signaux de pression, on voit que la nuit, on n'a quasiment pas de variation de pression, alors que le régime est complètement turbulent pendant la journée. Et donc, quand on avait... Ah oui, une dernière chose. Si on regarde le spectre du signal, donc vous prenez ces signaux-là, vous en calculez le spectre, vous obtenez la variation du spectre qui est à peu près cette bande-là. Donc là, c'est entre 0,03 et 1 Hz. Et la courbe que vous avez ici, les deux courbes que vous avez ici, ce sont c'est le niveau de bruit qu'on a sur Terre. Et c'est le niveau de bruit au niveau des micro-séismes secondaires. Donc forcément, comme il n'y a pas d'océan sur Mars, on a un niveau de bruit beaucoup plus faible. Par contre, quand vous regardez le niveau de bruit qu'on a là, on arrive à moins 200 décibels, ce qui revient à un signal de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres par seconde carré, donc c'est de l'ordre de l'angström. Donc c'est un signal extrêmement faible. Avant d'avoir la station InSight sur Mars, on n'avait aucune idée que de l'amplitude du signal qu'on enregistrerait sur Mars. Et il est très faible et il est très proche de la limite instrumentale qu'on a, qui est le trait rouge, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, oui, qu'on voit un peu ici. Donc on est très proche de la limite de ce qu'on peut enregistrer avec cet instrument. La première chose, tout au début, quand on a commencé à enregistrer des signaux, mais en fait, il n'y avait pas de séisme. Enfin, on n'enregistrait pas de séisme parce que voilà, c'était comme ça. On n'était même pas sûr qu'on soit capable d'enregistrer des séismes, qu'il y ait des séismes sur Mars, puisqu'on n'avait jamais enregistré de séisme sur Mars. Et que je vous rappelle que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Et donc, s'il n'y a pas de tectonique des plaques, les séismes qu'on a sont forcément plus faibles et pas tout à fait de la même origine. Et l'autre chose dont on n'était pas sûr, est-ce que le signal qu'on enregistre là, c'était vraiment des ondes sismiques
ou c'était simplement les variations de pression, les variations de température, ça fait bouger tout, et puis en fait, on a juste toute la structure qui bouge. On a vu qu'on arrivait quand même à enregistrer. Alors là, vous avez une variation avant qu'on arrivait quand même à enregistrer des ondes sismiques, donc ça a été la première chose. Donc d'abord, je vous montre là 300 données, donc la manip elle a commencé là à peu près, elle se termine là. Là où il y a deux bandes comme ça où il n'y a pas de données, c'est quand Mars était derrière le Soleil, et donc on ne pouvait pas, pendant une certaine période, transmettre les données sur la Terre. Vous voyez que, suivant les saisons, que la journée, on a tout le temps un niveau de bruit beaucoup plus fort que la nuit, que quand c'est l'hiver, on a également un niveau de bruit beaucoup plus fort que... beaucoup plus fort. Et les séismes qu'on a réussi à détecter se trouvent tous quand on avait un niveau de bruit extrêmement faible. On n'a quasiment pas détecté de séisme pendant la journée parce qu'en fait, le bruit lié aux variations de pression locale est tellement fort que ça masque tout ce qu'on pourrait enregistrer d'autre. Mais pour quelqu'un comme moi qui ne travaille pas sur les séismes, la question principale, c'était est-ce qu'on enregistre des ondes sismiques pendant ces moments-là. Pendant la journée, on sait qu'on enregistre surtout les variations de pression locales, mais pendant ces périodes-là, est-ce qu'on enregistrait des ondes sismiques? Et finalement, oui. Après beaucoup d'efforts et des traitements des données plus sophistiqués que ce qu'on doit faire sur Terre, on a été capable de montrer qu'on arrive à enregistrer des ondes sismiques dans le signal continu, et on a réussi à montrer qu'on arrivait à enregistrer des ondes qui sont réfléchies sur le MOHO, donc vers 30 km de profondeur sur Mars. Et tout récemment, on a réussi à montrer qu'on arrivait aussi à enregistrer des ondes sismiques dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais qui font plusieurs fois le tour de la Terre. Et qui, de Mars, oui. qui font plusieurs fois le tour de Mars et qui correspondent au mode propre de la planète. Et donc ça, c'est quelque chose pour nous de très intéressant parce qu'avec les modes propres, on va pouvoir beaucoup mieux contraindre les modèles de Mars. Par contre, l'origine de ces ondes sismiques en l'absence de séisme doit encore être étudiée et puis doit encore être trouvée. Ça peut être des variations ou des pressions de l'atmosphère à différents endroits et la somme de tout ça, ça pourrait créer des ondes sismiques ou alors, on verra. Donc j'ai à peu près terminé. Donc je vous résume très rapidement là où on en est sur le bruit sismique. Alors, vous avez vu qu'on peut utiliser le bruit sismique pour faire du monitoring de la Terre solide et puis des océans en lien avec le climat et en lien avec l'évolution du climat et surtout l'évolution du climat par son effet dans les océans. On a des modèles qui sont de plus en plus précis, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir pour être capable de fitter complètement les données avec les modèles. Et l'une des pistes de recherche dans les prochaines années, c'est d'utiliser les nouveaux instruments avec des fibres optiques. Sur Mars, on est très content d'avoir des ondes sismiques dans le signal continu, mais il faut en trouver l'origine et puis il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur Mars. Et bientôt, on va travailler sur la Lune parce qu'on a eu la chance de ce que un sismomètre de rechange qui avait été construit pour la mission martienne a été sélectionné par la NASA pour être envoyé sur la Lune en 2025 dans une mission qui s'appelle FSS pour Farsight Suite. Et donc actuellement, le sismomètre est en train d'être modifié pour être adapté à la gravité de la Lune. Et ce sismomètre va être déposé par une fusée normalement de SpaceX dans ce cratère-là, qui est le cratère de Schrödinger, qui est sur la face cachée de la Lune. Donc, d'ici quelques temps, je pourrai vous parler du bruit sismique sur la Lune. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide. De façon assez fantaisiste, sur quel corps du système solaire vous aimeriez placer un sismomètre
autre que Mars ou la Lune ? Alors, sachant que le sismomètre sur Mars, pour commencer la mission, ça a commencé en 1990 et ça s'est posé en 2018. Il est clair que pour moi, à part le sismomètre sur la Lune, j'ai aucune chance d'en voir un autre. Oui, mais au niveau des données qu'on pourrait... Et pour l'instant, alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet réaliste pour d'autres planètes. Oui. Oui, c'est vraiment très perturbé. Comment un volcan, c'est un sismographe sur un volcan, c'est dur, non ? Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Ah oui, ça. Il suffit de pas le mettre à l'endroit où il y a la coulée du volcan. Donc. Mais c'est vraiment très perturbé, quoi. Oui, le signal est compliqué, oui. Mais on peut. Vous arrivez à trouver, à faire des conclusions là-dessus sur les volcans ? Ah oui, il y a beaucoup d'études des volcans à partir des données sismologiques, oui. Et notamment en septembre, depuis plusieurs années, je travaille sur un projet à Stromboli. Donc on a déployé des fibres optiques et des stations sismiques autour du volcan pour étudier la structure du volcan, pour étudier les sources. Stromboli est un volcan qui est en éruption quasiment en permanence. Et donc, vous avez toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, vous avez une explosion. Donc, on étudie ce signal à partir des fibres optiques et des sismomètres pour comprendre la dynamique du volcan. Juste une question sur... Terre, les cyclones et les tempêtes. Enfin, il y a une différence entre les deux, entre les cyclones et les tempêtes. Alors, les tempêtes, c'est un terme générique pour, disons, les cyclones, c'est plutôt dans l'océan Atlantique. Les typhons, par exemple, c'est plutôt dans l'océan Pacifique. On va dire que moi, j'emploie le terme tempête pour, de manière générale, les cyclones et les typhons sont des tempêtes plus fortes, ouais. Et elles sont déclenchées par quel type de phénomène ? Par le vent Alors, c'est par le vent. Après, moi, je ne suis pas océanographe pour vous dire dans les détails. Je risque de vous dire des bêtises dans les détails, mais oui, c'est l'interaction du vent avec la surface de l'eau qui, dans certaines conditions, vont déclencher ce genre de choses. Et pour les cyclones, pour les sismomètres qui sont posés au fond de mer, les cyclones, ils ne risquent pas d'abîmer les stations ? Comment est-ce qu'on fait pour dire ça ? Parce que les cyclones, ça va créer des vagues qui sont assez superficielles, comme toutes les vagues. Et en dessous, nous, ce qu'on va enregistrer, c'est les ondes sismiques qui sont générées par l'interaction de ces vagues. Et les ondes sismiques sont des choses qui sont de beaucoup plus petite amplitude. Mais vous avez parlé à un moment, je crois, des cyclones fond de mer. Ah non, des sismomètres fond de mer. Ah, ok. C'était juste des cyclones. Ok, j'ai confondu. Ouais. Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on voit les ondes de marée sur Mars ou est-ce que la planète échappe à cette dynamique de marée terrestre, j'entends ? Mars a des lunes ? Mars a deux lunes ? Ouais. Donc, oui. Et vous ne les observez pas du tout sur... Alors, le problème, c'est que nos capteurs ne sont pas suffisamment sensibles à longue période. Donc, c'est observé, mais pas... Mais ce n'est pas résolu. Pas aussi fort que ce qu'on observerait sur Terre. D'accord. Non, il n'y a pas d'eau solide. Il n'y a pas d'eau solide. Et j'ai une deuxième question. Si on observe on observe le signal de marée sur Mars aussi. D'accord. En fait, c'est pas une onde, c'est pour ça que j'ai été. Mais on observe le signal de marée aussi sur Mars. Et dans les océans sur Terre, il y a ce qu'on appelle aussi des ondes internes, qui sont des ondes internes, qui sont des ondes de variation de densité de fluide. Et je me demandais, parce que des fois, elles déferlent, et je me demandais si ça avait des impacts visibles sur vos signaux. Alors, je ne sais pas trop, mais là, en fait, ce qu'il faut pour que ça donne des ondes sismiques, il faut qu'il y ait un accord entre le nombre d'ondes et la fréquence, ce qui ne sera pas forcément le cas avec les ondes dont vous parlez.
Je me demandais si la fibre optique qu'on utilise pour capter les signaux, c'était la même fibre optique que celle qu'on utilise pour envoyer des informations. Tout à fait, c'est la même. Vous avez parlé d'antisismique sur Mars. Et en fait, je voulais savoir, parce que vous avez parlé aussi de mots, et du coup, est-ce que vous avez décomposé, je ne sais pas s'il y a eu des forages sur Mars, mais je ne crois pas. Non. Mais comment vous avez fait pour... En fait, c'est avec les séismes, et le bruit sismique, c'est que à partir des séismes, vous avez un séisme qui va se propager à l'intérieur de la Terre. Et puis, quand vous avez une discontinuité à l'intérieur de la Terre, vous avez une conversion des ondes. Oui. Et c'est en étudiant ce signal-là qu'on a pu déterminer la profondeur du mot. Mais ça veut dire que vous avez décomposé la Terre sur Mars. Vous avez effectué la même décomposition que sur Terre ou, Tout à fait. C'est qu'en fait, à partir des les modèles de l'intérieur de la Terre ont été faits... il y a longtemps maintenant, à partir des ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur de la planète. Et c'est la même chose sur Mars. C'est la même chose sur Mars. Et donc, c'est comme ça qu'on peut retrouver les différentes interfaces qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et deux résultats importants qu'on a obtenus sur Mars, c'est d'abord de trouver la profondeur du mot, donc la limite entre la croûte et la lithosphère, qui est à peu près de 30 km, et ensuite de trouver la limite entre le manteau et le noyau. Oui. J'aurais une deuxième question. Pour les réseaux de sismologie, au tout début, quand vous parlez de la répartition, ouais. Vous essayez de couvrir un maximum de, surface, quoi. Et en France, j'avais remarqué une forte concentration au niveau des frontières avec l'Espagne et l'Italie, mais je me demandais pourquoi. En fait, on essaie d'avoir une couverture plus ou moins homogène de la France, mais là où il y a le plus de stations, c'est là où il y a le plus de séismes. Et là où il y a le plus de séismes, c'est au niveau des Pyrénées, parce qu'il y a la plaque africaine qui elle se déplace de moins en moins, mais qui poussait vers l'Eurasie. Et puis, il y a au niveau des Alpes. Donc, les endroits où il y a le plus de stations, c'est l'endroit où il y a le plus de sismicité. Et après, on essaye de couvrir l'ensemble de la Terre avec de la France avec des stations. Merci. Oui, alors justement, j'ai été très curieuse parce que j'ai vu qu'il y avait dans le réseau Géoscope, il y a des petits bouts de France, là. Et donc, je me demandais comment ça c'était possible. Il y a une régulation internationale. On peut mettre son sismographe n'importe où. On dit, ça, c'est à moi, je le mets là, et puis voilà. Ou comment ça se passe? Alors, vous avez bien vu, il y a beaucoup d'endroits où les stations sont sur des îles françaises. Et pas uniquement. Et les autres stations, ça s'est fait... Alors, c'est un réseau qui a été construit, qui a commencé à être construit en 1980. Et donc, ça s'est fait par accord de coopération. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de pays qui savaient installer des stations sismiques un peu partout. Et donc, les pays nous demandaient de venir installer une station de manière à avoir une couverture globale. Et puis, une fois que la station est installée, c'est très intéressant de l'avoir sur le très long terme. Par exemple, pour étudier le bruit sismique, plus la station va rester au même endroit, et plus c'est intéressant. Et c'est pour ça que maintenant, à peu près tous les pays savent installer des stations sismologiques, mais ça reste intéressant d'avoir ces stations avec un enregistrement pérenne de la même manière sur le très long terme. Une autre question, ça se change souvent? Ou ça dure pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, 50 ans? Non, un sismomètre, ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais par contre, il y a l'électronique qui peut être tombée en panne. Il y a entre le début du réseau où les données étaient enregistrées sur place et envoyées par des cassettes, des bandes magnétiques, etc., par bateau, par avion, par ce que vous voulez, et aujourd'hui où toutes les données sont en temps réel, toute l'électronique qui est reliée aux stations a été complètement changée.
Mais par contre, l'instrument de mesure, le sismomètre, n'a pas beaucoup changé dans pas mal de nos stations. Merci. Bonsoir. Ma question, c'est, vous nous avez parlé de, des développements à différents ordres. Ouais. Quand vous parliez de Long et Higgins et Hasselmann, vous nous avez parlé de l'ordre 1 et de l'ordre 2. Mais du coup, est-ce que si on développe à un ordre supérieur, on trouve de nouveaux résultats que la relation de dispersion ou autre ou... Alors, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Disons que si on a développé à l'ordre 2, c'est qu'on cherchait quelque chose de particulier. Donc à l'ordre 3, on aurait des termes plus faibles. Pour l'instant, il faut déjà savoir à quoi ça pourrait correspondre. Donc ça servirait à rien? Je ne sais pas. Okay. Disons, pour l'instant, à l'ordre 2, on cherchait vraiment quelque chose qui était un signal très fort. À l'ordre 3, on aurait d'autres termes, mais encore faut-il être capable d'observer ces signaux en question. Ok, merci. Oui, je voulais savoir si l'étude du bruit sismique apporte quelque chose de nouveau pour la connaissance de la Terre interne par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Alors oui, mais pas de la manière dont je vous l'ai montré là, plutôt par les méthodes de corrélation entre des stations. Parce que pendant longtemps, alors les modèles de l'intérieur de la Terre ont été faits pendant des années à partir des trajets entre un séisme et une station. Il n'y a pas beaucoup de stations au fond des océans. Et donc, l'intérêt d'utiliser les méthodes de corrélation de bruit dont je vous ai parlé à un moment donné, c'est que maintenant, il suffit d'avoir deux stations à deux endroits et on peut avoir la structure entre ces deux endroits. Et donc, le bruit sismique permet et continue à permettre d'améliorer de manière considérable les modèles tomographiques grâce à des stations qui sont installées à des endroits particuliers, là où il n'y avait pas de séisme. D'accord, merci. C'est juste une question par rapport aux décibels, parce qu'à un moment, il y avait des minimums enregistrés, par exemple, sur Terre et sur Mars. Mm-hmm. Ça correspond à quoi, des décibels négatifs? Ça correspond à des signaux de très petite amplitude, 10 puissance moins 10. Ah oui, ok. Et sur Mars aussi, sur le schéma de Mars, il y avait, je crois que c'est la tache rouge. Non, c'est, il y avait marqué... Alors. Enfin, je ne m'en souviens plus si ça correspond à Mars ou à une autre planète, d'une zone où il y a des énormes tempêtes. Non, c'était sur le schéma. Ah. Et sur Mars aussi, il y a des grosses tempêtes ou pas? Alors, il n'y a pas des grosses tempêtes comme ce qu'on a sur Terre, mais si, il y a des très grosses tempêtes, malgré le fait que l'atmosphère soit beaucoup plus faible. Alors, sur Mars, il y a une chose intéressante qu'on enregistre, c'est des dust devils. Les dust devils, ça existe aussi sur Terre, c'est des tourbillons de poussière comme ça. Et on en enregistre beaucoup sur Mars, et on en a vu notamment qui passaient à proximité du sismomètre. Et en fait, avec ce dust devil qui passe, et l'enregistrement de la pression et l'enregistrement des données sismiques, on peut déterminer la structure proche de la structure juste aux quelques mètres sous le sismomètre. Mais il y a d'énormes tempêtes sur Mars. Et le problème des tempêtes sur Mars, c'est que quand ça commence, si c'est une grosse tempête, elle va faire le tour de Mars et le tour de Mars et le tour de Mars. Sur Terre, la tempête, elle va s'arrêter à cause de la pluie. Mais il n'y a pas de pluie sur Mars. Donc, en fait, ça peut durer des semaines, voire des mois. Quels sont, du coup, les types d'hypothèses que vous allez tester avec votre sismographe sur la Lune ? Alors, de nouvelles informations, vous comptez en fait. En fait, on va utiliser les données d'abord pour améliorer le modèle de l'intérieur de la planète. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va caractériser le signal sismique qu'on enregistre sur la planète. Et donc, voilà, c'est pour moi, c'est les deux choses qui viennent à l'esprit comme ça tout de suite. En tout cas, les deux choses sur lesquelles je vais travailler. Et est-ce que ça pourrait aider aussi à caractériser un petit peu les relations entre la Terre et la Lune, en fait, au niveau sismique ? Pas du tout. Je crois... Je pense pas. Oui,
Est-ce que vous avez mis des sismomètres à la frontière des plaques dans la tectonique? Il y a des sismomètres, par exemple, la manip. Ça vous donne des résultats? Oui. Là, c'est la prochaine. Là, ensuite, il faut que je reprenne le stylet. Là, vous voyez qu'on a des stations. Les points rouges, là, c'est à la frontière des plaques. Donc, avec ça, le fait d'avoir des stations en frontière des plaques, ça permet de caractériser les champs magmatiques quand il y en a, pile à la frontière des plaques. Bonsoir. Je voulais vous poser une question, ce serait par rapport à ce que vous avez dit sur les vagues de longueur d'onde similaire mais de direction opposée qui se rencontraient, ça créait une onde de séisme secondaire, c'est ça? Oui, les micro-séismes secondaires, oui. C'est ça. Mais vous avez dit que ça se propageait, peu importe la profondeur. Donc techniquement, si on met un sismomètre à la fosse des Mariannes, est-ce que ça serait pertinent ou pas? Pourquoi la fosse des Mariannes? Parce que du coup, ça serait l'endroit le plus proche du cœur de la Terre. Donc, est-ce que ça serait pertinent d'en mettre un à cet endroit ou pas? Par rapport à cette question, non. Parce qu'en fait, le terme d'interaction des vagues, c'est quelque chose qui reste superficiel. Et à partir de ça, vous avez des ondes sismiques qui se propagent partout dans la Terre. Donc, on n'a pas besoin d'être particulièrement à une fosse particulière pour les enregistrer. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, le fait, disons, suivant la profondeur d'eau que vous avez, si vous mettez une station en bas, vous allez avoir des effets d'interférence dans des ondes qui se propagent dans l'eau qui ne vont pas être pareilles au niveau des Mariannes et à un endroit où, qui sera moins profond. Autre question? Merci. Vous avez parlé de relevés. Et, enfin, avec les sismomètres, vous faites des relevés, comme les météorologues font des relevés. Eux, avec leurs relevés, ils arrivent à faire des prévisions. Est-ce que vous, vous en faites, ou est-ce que vos relevés peuvent aussi les intéresser? Alors, les météorologues... Oui. Les météorologues, pas forcément, mais par contre, les océanographes, ça les intéresse, nos données les intéressent en termes de relevés pour suivre de manière le plus fine possible l'état des océans. En termes de prédiction, non, on ne fait pas beaucoup de prédictions en sismologie. Je vous rappelle qu'on ne prédit pas les tremblements de terre. On peut vous dire où est-ce qu'ils vont avoir lieu, mais pas quand ils vont avoir lieu. Et peut-être qu'on y arrivera un jour, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Peut-être une dernière question? Oui. Est-ce que le bruit sismique d'origine anthropique peut être identifié précisément? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, avec la méthode de corrélation des données entre deux stations, on peut arriver à identifier, par exemple, je sais pas, en fait, je pensais à une utilisation dans un cadre militaire, par exemple, parce qu'on peut identifier, je sais pas, s'il y a des tanks qui sont en train d'approcher ou quelque chose comme ça. Ah ben, largement, on enregistre tout. Hein. Donc le bruit, j'en ai pas parlé dans cet exposé, mais le bruit d'origine anthropique est utilisé pour faire du monitoring de la subsurface. Donc dès qu'il se passe quelque chose à proximité, c'est clair que vous allez l'enregistrer. Mais aussi, par exemple, si vous avez une variation de la nappe d'eau, vous allez enregistrer un signal là. Par exemple, il y avait quelque chose d'étonnant quand il y a eu le confinement, c'est que, en fait, on s'est mis à enregistrer des signaux assez différents parce que le reste des signaux n'existait plus. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors,
pas forcément des signaux qui sont spectaculaires actuellement. Par exemple, on a regardé l'effet du métro qu'on enregistrait à proximité. On a regardé. Donc pour l'instant, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, je ne travaille pas du tout sur ces bandes de fréquences. Donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'on a pu observer de particulier. Par contre, je sais qu'on utilise de plus en plus ces signaux-là pour faire du monitoring de tout ce qui se passe dans la subsurface. Pas mal de questions. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. Pour changer. Petite question. Vous avez parlé des fibres optiques. Mm-hmm. Et du coup, vous avez commencé à utiliser ça, vous. Oui. Donc, moi, je l'ai utilisé à Stromboli. Donc, on a installé une fibre optique entre le bas. Donc, Stromboli, c'est un volcan comme ça. Donc on a installé la fibre optique sur 3 km en 2 ans. Je peux vous dire que ça veut dire qu'on a monté le volcan à 4 pattes en enterrant la fibre optique. C'est du boulot. Et on a enregistré le signal et on a eu... et pour l'instant, on analyse le signal. En fait, les signaux avec fibre optique sont des instruments très récents. Et là, ce qu'on a fait la première année, c'est en mettant ça et des sismomètres à côté, on a vérifié qu'on arrivait à passer, à partir de la déformation du sol, on arrivait à retrouver le mouvement du sol et vice-versa. Donc ça marche assez bien. Et ensuite, et maintenant, on utilise ces fibres optiques pour faire du beamforming, donc les mêmes techniques qu'on a que ce que je vous ai parlé sur des sismomètres, pour localiser de manière beaucoup plus fine les sources des explosions. Et par rapport à Stromboli, la problématique, c'est de trouver un signal précurseur de l'éruption, parce que ça permet de faire de l'alerte précoce. Et ce qu'on a montré, c'est qu'avec un certain type de fibre, mais c'est pas la fibre optique classique, on peut vraisemblablement trouver un signal précurseur aux éruptions et précurseur d'une durée plus longue que ce qu'on observait jusqu'à présent. Donc, question précision, on a dépassé un cap, quoi. En fait, on n'a pas dépassé un cap en termes de précision, mais c'est des instruments qui sont moins bons en qualité que des sismomètres, mais par contre, on a des milliers de capteurs. Donc, en fait, on somme ces milliers de capteurs et on peut compenser comme ça le fait qu'on a une précision moins grande et, in fine, faire des observations qu'on n'arrivait pas à faire avec les sismomètres. D'accord. Et du coup, quand est-ce qu'on pourra visiter Mars ? Pardon ? Quand est-ce qu'on pourra visiter Mars, du coup ? Alors, personnellement, j'irai pas. Un endroit où il n'y a pas d'atmosphère, ou quasiment pas d'atmosphère, et qui fait entre moins 50 et moins 100, ça ne me plaît pas beaucoup, mais... Merci. Et l'autre... me joins aux applaudissements, aux remerciements. Merci pour cette conférence passionnante, le jeu des questions-réponses également. Je vous précise juste que la conférence était filmée, vous pourrez la retrouver dans quelques temps en ligne sur le site de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et plus généralement, au-delà de ce cycle de conférences, il y a d'autres conférences grand public ici à l'IAP, tous les mois, le premier mardi de chaque mois. Le soir, dans ce même amphithéâtre, sur des thèmes donc, d'astrophysique, de cosmologie, etc. Donc, si ça vous intéresse. Voilà. On peut remercier encore Eleonore Stutzmann pour sa brillante conférence.